Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mardi 7 décembre 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux efforts déployés par l'État en vue de protéger les femmes en Égypte, mais aussi de garantir leur épanouissement. Pour parler de cela, nous allons voir bien entendu plusieurs reportages relatifs au sujet et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mademoiselle Dorine Habib, analyste politique. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, on va commencer par un premier reportage qui concerne la Première Dame d'Égypte, puisque à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la violence faite aux femmes, la Première Dame, Intasar al-Sisi, a affirmé « Nous poursuivrons nos efforts et nous avançons sur notre voie pour affirmer et sauvegarder les droits de la femme à une vie sécurisée, sans violence ni atteinte à ses droits les plus légitimes ». Dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu avec la directrice exécutive de ONU Femmes, Dr Samira Baous. On va voir tout cela dans ce reportage. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la violence faite aux femmes, la première dame Intasar al-Sisi a affirmé « Nous poursuivons nos efforts et nous avançons sur notre voie pour affirmer et sauvegarder les droits de la femme à une vie sécurisée sans violation ni atteinte à ses droits. L'Égypte avance à pas sûrs vers l'autonomisation de la femme et le renforcement de ses droits et travaille sérieusement pour protéger la femme contre les différentes formes d'agression verbale ou physique », a souligné la première dame, ajoutant que l'égalité entre les deux sexes est le pilier de notre nouvelle république. La femme joue un rôle axial en tant que partenaire essentiel pour la construction de cette nation. Dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, s'est entretenu avec la directrice exécutive de l'ONU Femmes, Dr Simi Baous. Shoukry a affirmé à la directrice exécutive de l'ONU Femmes l'intérêt qu'accorde l'Égypte à la protection et au renforcement des droits de la femme. Bon, Mademoiselle Dorine Habib, avant de commencer à analyser un petit peu le discours de la Première Dame, on voudrait tout d'abord savoir quelles sont les causes ou les racines des violences faites aux femmes en Égypte. Salut. Généralement, on peut commencer par comment maintenant il existe une perspective très positive à donner de la valeur plus et plus aux femmes égyptiennes. Mais concernant la violence contre la femme, je pense que les racines de ce problème immense viennent peut-être de la... des cultures ou bien parfois ça se fait, ce sont des cas très spécifiques. Peut-être par exemple il existe des situations psychologiques ou bien des situations sociales qui peuvent conduire à cette sorte de violence. Alors c'est un problème social qu'on doit bien sûr lutter contre ce problème et aider à l'éliminer. Et en fait, il existe maintenant beaucoup d'actions efficaces pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il existe une stratégie nationale pour l'élimination et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. C'était de 2015 à 2020. Et cette stratégie a fait beaucoup de... À cause de cette stratégie, on a pu voir beaucoup de travail qui se fait dans la société égyptienne et comment il y a beaucoup de filles et des femmes, des jeunes filles, même les jeunes filles ont ce problème-là. Et les femmes, ils ont maintenant le droit ou bien... elles peuvent dire que
on a vécu ce problème-là et on a vécu de tels actes de violence contre nous. Et quand même, il existe un numéro de téléphone. C'est, je voulais le dire pour toutes les femmes qui nous regardent, c'est 15 11 5. Ça, c'est le Conseil national de la femme. Oui, exactement. Mmh. Que le Conseil national de la femme, des femmes a créé ce hotline. Mmh. Vous pouvez répéter le numéro ? 15 11 5. Oui, voilà. Donc, comme mademoiselle Dorine le dit, en cas de violence, en cas d'agression, en cas de problème relatif aux femmes, vous avez cette ligne du Conseil national de la femme, le 15 11 5, que vous pouvez contacter et ils reçoivent tout de suite votre appel et bien entendu votre plainte. Mmh. Exactement. Et pas seulement faire des plaintes, mais aussi avoir des conseils juridiques sur le processus afin que le processus de faire cette plainte contre la personne qui m'a fait cela. Et aussi, il existe une sorte de support psychologique pour les filles et les femmes qui ont vécu ce type de violence. Mmh. Et ça, c'est une des actions. On va parler du reste, c'est sûr, mais on a toujours vu le président Abdel Fattah Sisi soutenir vraiment les femmes, exactement, faire l'éloge des femmes à chaque fois qu'il a l'occasion de s'adresser aux citoyens égyptiens, l'épouse du président, même chose. On a vu dans son discours tout à l'heure, elle le répète à plusieurs et à plusieurs reprises, qu'il faut absolument sécuriser la vie des femmes. De là est partie, bien entendu, cette stratégie pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et aussi leur sécurisation. Alors, parlez-nous un petit peu de cette stratégie. Ok, en fait, cette stratégie vient sous... on a comme stratégie principale, bien sûr, la vision de l'Égypte 2030. Et sous cette stratégie, ou bien sous cette perspective de genre et comment intégrer le genre dans les stratégies nationales de notre pays, ça vient aussi la stratégie nationale pour l'autonomisation des femmes égyptiennes et jusqu'à 2030 et spécifiquement la stratégie nationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette stratégie a été rédigée pour s'appuyer, la base de cette stratégie était l'appuiement sur l'engagement de l'Égypte à la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'actes de Pékin et de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et ça, c'était la base pour toutes ces actions ou bien pour cette stratégie. Et durant cette stratégie, il existe maintenant un rapport sur tous les résultats de cette stratégie et comment ils ont fait et comment ils ont fait des actions vraiment qui ont beaucoup changé. Parlez-nous de ces actions et de ces résultats. Quelles ont été les actions les plus importantes et quels ont été les résultats les plus significatifs? Et il existe beaucoup de campagnes de sensibilisation des femmes et des jeunes filles, comme je vous avais dit, et l'encouragement de ces femmes à signaler qu'il existe, ou bien à rapporter qu'il existe un type d'acte de violence contre moi. On l'encourage et il existe beaucoup de sensibilisation. Aussi, il y avait des campagnes de porte-à-porte. Ça s'appelle de porte-à-porte. On peut aller chez la femme ou chez la fille qui a fait un appel ou bien qui a besoin de n'importe quel support et l'aider à témoigner ou bien à dire ce qui s'est passé et à résoudre ce problème qui s'est passé. Qui va ? C'est avec le Conseil national des femmes. Des représentantes ou des employés du Conseil national de la femme. Oui.
Et totalement, ils sont totalement capables de faire tout ça. Oui, bien sûr. On a vu les efforts de Dr Maya Mursi à plusieurs reprises. Vraiment, c'est une question qu'elle prend à cœur. Et on voit que vraiment, elle apporte un soutien très efficace aux femmes. Donc, on est contente de voir cette campagne de porte à porte, justement, pour arriver jusqu'à chez elle. Ça veut dire que là, vraiment, elle arrive à toucher toutes les femmes, à condition que les femmes se manifestent. Parce qu'il y a des femmes qui ne se manifestent pas. Oui, c'est un autre problème. Oui. Et aussi, on a vu bien le rôle des bureaux de plainte et comment ça donne des assistances juridiques et psychologiques, comme je vous avais dit. Et aussi, on a vu la création ou bien l'inauguration de plusieurs unités pour lutter contre la violence à l'égard des femmes dans les hôpitaux et dans les universités, afin de sécuriser la vie des femmes dans ces communautés, comme les universités, c'est bien sûr une communauté ouverte. Et il existe beaucoup de choses qui se passent dans cette communauté sociale. Et c'est oui, très mais effectif. Qu'est-ce que vous faites? Des campagnes de sensibilisation, par exemple, dans les universités? Oui, il existe cela. Et bien sûr, les femmes ou les filles ont le droit de faire des appels s'il existe un type de violence ou bien harcèlement ou bien n'importe quel type de violation de leurs droits. On a vu que le harcèlement était immédiatement puni maintenant en Égypte. Oui, il existe ça, c'est une très bonne chose. Vraiment. Oui, ça, c'est une vraiment une. Et le procureur général, il prend lui-même en charge tous ces dossiers. Transféré par Dr Maya Mursi. Et vraiment, on les salue tous les deux pour cette rapidité dans la prise de décision. Ça, c'est une chose concernant les actions. Bon, concernant les résultats maintenant, quels ont été les résultats de de tous ces efforts? En fait, comme on voit maintenant, il existe un changement peut-être dans toute la scène. Et comment on voit les femmes qui sont plus autonomisées. On voit l'autonomisation économique et politique, par exemple, avec donnant des chiffres, quelques chiffres, parce que vous savez que j'aime beaucoup les... Oui, bien sûr. C'est votre ministère. Hein. Oui, ministère de planification. Oui. Par exemple, la participation des femmes au Parlement, ça a augmenté de 15% en 2018 à 27% en 2020. Et c'est une augmentation bien considérable. Et aussi, dans les gouvernements locaux, on voit une augmentation de 11,8% en 2018 à 24% en 2020. Et c'est un grand changement. Et même, il existe maintenant... Une des actions aussi qui sont faites, qu'il existe des campagnes ou bien des unités pour aider les femmes dans les gouvernorats, sur le niveau de gouvernement, des gouvernorats, et non pas seulement dans le niveau central du Caire, mais c'est aussi plus propagé et plus... Il existe un changement de culture ou bien de... Parce qu'il existe aussi des représentations du Conseil national de la femme dans tous les gouvernements d'Égypte. Exactement. Donc ça, c'est un facteur qui aide certainement. Est-ce que vous pensez, d'après toutes ces études et toutes ces initiatives, que l'indépendance économique et l'instruction sont des facteurs qui peuvent vraiment réduire les violences faites aux femmes? Pas toujours. Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Vous savez que la psychologie des hommes est juste. Quel est leur problème? Les hommes arabes en général. Quel est le problème? Il vient d'où le problème, si vous avez fait toutes ces analyses? C'est une chose peut-être plutôt psychologique ou bien culturelle. Mais de mon point de vue, personnellement, je vois que les femmes maintenant sont beaucoup plus indépendante économiquement, socialement, dans tous les domaines de la vie. On voit la femme qui est très, très, très excellente. On les voit
succédé dans beaucoup de domaines. Et ça change maintenant. Et même, il existe beaucoup des hommes qui ont changé leur point de vue à l'encontre des femmes qu'elles doivent rester à la maison et éduquer les enfants seulement. Bien sûr, c'est important de le faire, mais ce n'est pas seulement... Et ça doit être un choix de la femme aussi. Bien sûr, c'est son choix. Mmh. Mais maintenant aussi, la vie économique exige que la femme aide l'homme et l'homme doit respecter que la femme l'aide dans la vie ou bien dans la vie de la famille. Je parle maintenant de la famille. Mais aussi sur le niveau personnel des femmes, on trouve que... par exemple, on a vu l'événement de les top 50 femmes en Égypte. Et c'était un événement très important qui donne de la valeur à ce que les femmes sont en train de faire dans la communauté et dans la société égyptienne. Et maintenant, on trouve que la femme est brillante dans tout ça. C'est vrai, mais il faut quand même reconnaître que même si la violence physique n'existe pas, il y a toujours un poids et un fardeau pour la femme en Égypte, surtout si elle travaille. Parce que les deux travaillent, mais une fois rentrée à la maison, c'est la femme qui assume toutes les charges. L'homme, quand il rentre de son travail, entre guillemets, ça y est, il se repose et il ne fait plus rien. Donc tout ça, c'est difficile pour la femme, travailler matin et soir pendant toute la semaine avec les enfants. Est-ce que vous pensez à des mécanismes qui peuvent aider un petit peu à alléger ces fardeaux pour les femmes? Premièrement, je pense que la chose la plus importante, c'est la sensibilisation des hommes. Et non pas seulement des femmes. Est-ce que vous travaillez sur ce volet? Personnellement, moi, non. Mais dans ma communauté... Non, mais est-ce que dans la stratégie pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, est-ce que vous touchez à ce volet masculin? Peut-être, oui. Il existe... C'est une part de la sensibilisation en général. Et c'est pour cela que je pense que c'est important de... Non pas parler avec les femmes, mais aussi de parler avec les hommes, parce qu'ils doivent changer leur culture et leur mode, ou bien leur comment ils pensent à l'égard de ce côté-là. Oui, mais aussi vient une question, on vous demande, qui a élevé ces hommes et ces femmes? C'est sûrement une femme. Donc, parce que il est évident que les enfants sont influencés par la mère beaucoup plus que par le père. Donc je pense que dans l'éducation des enfants, la femme a un rôle aussi, la maman a un rôle. Bien sûr. Et elle doit être assez informée sur les droits de sa fille comme de son fils. Tous les parents ont un grand rôle à gérer ou bien à donner une génération qui aime la vie, qui sont... Qui sont ouverts d'esprit, qui sont ouverts d'esprit, qui acceptent la différence, qui acceptent jointly. Oui. On le fait ensemble. Oui, ensemble. Mm-hmm. Tous les membres de la famille. C'est pas seulement la mère. Exactement. Et c'est pas seulement le père. Et non pas seulement la mère et la père et le mère et la. Mm-hmm. Les parents. Mais aussi les grands-parents. Mm-hmm. Ils ont un rôle très important dans la croissance des enfants et leur enrichissement culturel et dans leur enrichissement dans leur vie. Mmh. Et c'est très important aussi. Tout à fait. La vie de la famille. On va parler du Conseil national de la femme, puisqu'il est clé dans cette problématique. Et sous le slogan « Soyez », le Conseil national de la femme lance cette année les 16 jours d'activité de lutte contre la violence à l'égard des femmes que le monde célèbre chaque année du 25 novembre, qui coïncide avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, jusqu'au 10 décembre, qui coïncide avec la Journée internationale des droits de l'homme, hommes et femmes.
Bon, donc cette campagne intervient dans le cadre des efforts inlassables du Conseil national de la femme pour sensibiliser à la lutte contre la violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes dans toute la République arabe d'Égypte. Voyons ensemble ce commentaire. Sous le slogan « Soyez », le Conseil national de la femme lance cette année les 16 jours d'activité de lutte contre la violence à l'égard des femmes que le monde célèbre chaque année du 25 novembre, qui coïncide avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, qui coïncide avec la journée internationale des droits de l'homme. Le CMF ainsi que le Musée des civilisations ont illuminé leur bâtiment en orange à cette occasion. Dr Maya Morsi, présidente du Conseil national de la femme, a confirmé que le Conseil lance cette campagne pour la 6e année consécutive pour partager avec le monde ses efforts et ses activités visant à faire face à ce dangereux problème mondial. Cette campagne intervient dans le cadre des efforts inlassables du CNF pour sensibiliser à la lutte contre la violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes dans toute la République, à travers des messages de sensibilisation pour créer un refus sociétal des cultures héritées autour de la violence à l'égard des femmes, en plus de définir les risques sanitaires et psychologiques pour les victimes. Dr Maya Morsi a indiqué que l'élimination de la violence à l'égard des femmes exige d'unir les efforts de toutes les institutions nationales concernées, les ONG et les partenaires au développement, notant que le Conseil travaille à travers cette campagne pour mettre en œuvre plusieurs activités et événements importants avec les autorités et partenaires afin de trouver une solution à cette cause importante. La campagne comprend également la mise en œuvre d'un modèle de citoyen du Conseil national de la femme pour les jeunes hommes. Vraiment la passion avec laquelle le président parle quand il parle aux femmes et le respect qu'il porte à l'égard des femmes. Mais comme Dr Maya Morsi, la présidente du Conseil national de la femme, vient de le dire, ce phénomène de la violence contre les femmes, c'est un phénomène malheureusement mondial. Pourquoi ? Quelles sont les causes essentielles ? Je veux dire, là, on ne parle pas d'éducation, on ne parle pas d'autonomisation, puisqu'on parle d'Europe, on parle d'Amérique, et c'est toujours la même chose. La femme subit beaucoup de violences, surtout des violences familiales. C'est vrai. Et je pense parce qu'il existe une pensée que la femme est plus faible. Et quand on sent que quelqu'un est plus faible que nous, ça exige quelques types de violences à l'encontre des femmes qui sont dans leur perspective faibles. Ce qui n'est pas la réalité. Elles ne sont pas faibles. Mais parfois, elles ne parlent pas. Ou parfois, elles sont peut-être plus émotionnelles. Oui, vraiment, c'est notre création. Elles ont une endurance, elles ont toujours tendance à endurer pour la sauvegarde de leur famille, surtout s'il y a des enfants. Exactement, c'est comment nous sommes créés. Et personnellement, je pense que tant que nous sommes émotionnels, ou bien la femme a quelques émotions, ou elle peut montrer ses émotions très facilement, mais c'est aussi une sorte qu'elle est très forte. Elle peut pleurer maintenant et continuer à travailler dans 2 minutes. Le président vient de le dire, là, quand on a fait des projets pour les micro et petites entreprises, les plus réussies, c'était les entreprises des femmes. Exactement. Et c'est ça ce qu'on est en train de voir maintenant dans la société. Quand on donne de la chance aux femmes, Elles réussissent et elles font de leur mieux. Et elles font de leur mieux. Et d'ici, on voit qu'il existe un changement. Un changement de pas seulement de rôle, mais un changement de pensée et un changement des pensées enracinées. Mais en fait, l'acte de violence, ça doit être aussi... ici,
je dois mentionner le rôle du ministère de l'Intérieur dans le support et dans la mise en œuvre des actions qui peuvent aider contre la violence à l'égard des femmes. Et ce n'est pas seulement, bien sûr, pas seulement le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère de la Justice. Et on voit comment c'est un processus un peu complexe, mais tous les partenaires et tous les angles de la société doivent participer et doivent être ensemble afin de changer ce phénomène et afin d'éliminer ce type de violence. Et non pas seulement contre la femme, mais aussi contre les enfants et entre tous les hommes. N'importe quel type de violence ne doit pas être permis et nous-mêmes, on ne doit pas accepter n'importe quel type de violence. Ça, c'est sûr. Mais concernant le ministère de la Justice, les femmes se plaignent quand même du retard dans les verdicts, surtout concernant les causes, comme surtout le divorce. Donc, est-ce que le ministère de la Planification ou cette stratégie pour la protection des femmes, parce que ça, elles protègent leurs droits les plus légitimes, est-ce qu'il y a une vision pour l'accélération de ces verdicts? C'est ce que tout le monde demande, d'ailleurs. Okay. En fait, quand il existe quelque changement des législations, ou bien ça se fait pas par le Parlement, ou bien, dans notre cas, le Conseil des représentants. Et il existe beaucoup des représentants dans le Parlement égyptien, et pas seulement des femmes, et qui demandent et qui ont présenté de nouveaux Des projets de loi. Oui, des projets de loi, afin de aider les femmes à... parce que, bien sûr, le divorce est un problème sévère, vraiment, et ça a devenu très nombreux. Et maintenant, il existe une sorte de changement de législation, ou bien on étudie les projets des législations. Et bien sûr, comme vous avez dit au début de la séance d'aujourd'hui, que le ministère de la Justice et même ils ont maintenant hâte à aider les femmes et à accélérer ces procédures juridiques, et on trouve un grand encouragement aussi du président et de tous les entités nationales. Et alors avec le temps, on trouve un changement. Est-ce qu'il y a des organismes qui sécurisent la vie de la femme après le divorce? Il y a d'autres catégories qui peuvent sécuriser la vie de la femme économiquement, par exemple, Tekeful Ekoroma, on a Haya Karima, le projet de Haya Karima, et comment... C'est indirectement, ça se fait indirectement, mais il existe beaucoup de aussi les ONG ont un rôle très important à aider les femmes qui ont besoin de l'aide, soit économiquement ou bien dans n'importe quel sur n'importe quel niveau social. Et je voulais justement vous dire que c'est très important, que c'est pas justement le gouvernement qui fait toute chose. C'est sûr. Premièrement, c'est sûr. C'est notre attitude, c'est notre perspective de pensée, c'est notre action qui guide. Et moi, je vous dirais, les législations et les projets. Et c'est la femme elle-même, depuis qu'elle est toute petite, elle doit faire attention à ses études, elle doit s'informer. Elle doit avoir des relations sociales qui vont la soutenir dans sa vie. Je veux dire, la femme, elle a un rôle envers elle-même, et ça, elle doit le jouer depuis son plus jeune âge. Mais il faut sensibiliser les mamans, justement, à encourager les enfants à jouer ce rôle.
Bon, on va passer à notre dernier reportage. Sous la devise « Vers une nouvelle ère », le forum des 50 femmes les plus influentes a regroupé au palais Al-Qubba les femmes ministres et gouverneurs, ainsi que les femmes de renommée dans les domaines économiques, sociaux et idéologiques. Il s'agit d'une plateforme annuelle qui vise à accroître la participation des femmes au développement global et à la prise de décision, tout en renforçant leur rôle dans la création de l'avenir économique et social de l'Égypte. Voyons ensemble. Sous la devise « Vers une nouvelle ère », le forum des 50 femmes les plus influentes a regroupé au palais d'Al-Qubba les femmes ministres et gouverneurs ainsi que les femmes de renom dans les domaines économiques, sociaux et idéologiques. Il s'agit d'une plateforme annuelle qui vise à accroître la participation des femmes au développement global et à la prise de décision, tout en renforçant leur rôle dans la création de l'avenir économique et social de l'Égypte. Un sommet interactif organisé en partenariat avec le Conseil national de la femme au palais s'est tenu sous le thème « Les femmes professionnelles dans la vie publique ». Une marche a été organisée regroupant les ministres de la coopération internationale, Dr Rania Mashaat, de l'environnement, Dr Yasmine Fouad, du plan, Dr Hel El Saïd, et de l'immigration, l'ambassadrice Nabila Makram, et la gouverneure de Damiette, Dr Manal Gawad. L'ambassadeur de l'Union européenne en Égypte, Christian Berger, était également présent. Dans son allocution aux activités du Forum des 50 femmes les plus influentes, la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a souligné le soutien accordé par l'État au dossier de l'environnement. Avec la véritable autonomisation dont profite la femme en Égypte, il y a trois adjointes au ministre chargées de dossiers importants. La paille de riz, les réserves naturelles et l'action avec la société civile. La femme est le mot de passe du succès dans le dossier de préservation des ressources naturelles. Autonomiser la femme est l'outil le plus important dans ce dossier. Des images qui font vraiment plaisir. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un président aussi humain et qui respecte tellement la femme. Et ça ne va pas du tout nuire à l'image de l'homme. Au contraire, le président, il respecte le sérieux, il respecte le travail, il admire la minutiosité dans le travail, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, mais on voit quand même une grande tendresse qu'il a envers le rôle de la femme et les efforts déployés par les femmes, puisque vraiment les femmes le méritent, certainement. Pour parler de cette plateforme, ces 50 personnalités qui ont été honorées, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces 50 femmes ? Justement, je voulais dire quelque chose sur le président ici, c'est que j'espère que tous les hommes le prennent comme un bon exemple. Bien sûr. De respecter toutes les femmes dans la rue, dans ma vie, avec mes collègues de travail et n'importe où. Ça doit être le bon exemple pour toute la société, en fait, pas seulement pour les hommes ou bien les femmes. Et concernant cette 50, plateforme. Oui, le plateforme annuelle, ça a donné un prix aux femmes qui ont fait une profession ou bien qui ont réussi dans leur profession et qui a fait un changement majeur. On a comme un exemple des designers, Farida Temroz. Une des designers qui, avec la haute couture, a représenté la culture égyptienne et pharaonique et comment ça a le bon exemple de voilà, nous sommes là, voilà notre culture et notre art égyptien, comment il est riche et comment on peut l'utiliser dans tout le monde. Et le brand de Temroza est très célèbre, pas seulement nationalement ou bien dans l'Égypte, mais aussi internationalement. On le voit dans tous les fashion weeks, les semaines Je ne voudrais pas vous interrompre, mais juste rappeler que les plus grandes maisons
de mode à l'étranger, surtout en Europe maintenant, elle s'inspire de l'art vestimentaire pharaonique. Voilà. Donc ça, si ça reflète quelque chose, parce qu'on a toujours vu l'égyptomanie avec la France qui est vraiment... Mais pour faire cela, ça veut dire que l'Égypte occupe une place importante maintenant dans le monde et que vraiment tous les regards se tournent vers l'Égypte. Exactement. Et non pas seulement, par exemple, comme on a dit, la haute couture, mais il existe aussi des femmes qui ont pu influencer dans la société et comment c'est pas justement dans la profession, mais qui ont, comme par exemple, Dr. Yasmine Fouad, comme on a dit, qu'il existe beaucoup d'initiatives environnementales. Et par exemple aussi, un projet que le ministère de Planification le fait, ça s'appelle Roueda Chintalatine. Ça encourage les entrepreneurs, y inclut des femmes, à faire leur projet spécifique dans n'importe quel domaine qu'ils veulent ou qu'elles veulent. Et il existe beaucoup d'expériences ou bien d'exemples vraiment réussis dans le domaine d'entrepreneurs et des entrepreneurs et comment on voit qu'il existe des femmes vraiment qui sont partout brillantes. Bon, concernant la stratégie de l'État, quels sont les plans de développement pour les femmes pour les quelques années à venir? En fait, comme je vous avais dit, qu'il existe la stratégie nationale de l'autonomisation des femmes jusqu'à 2030. Et aussi, on a maintenant la mise à jour de la stratégie ou bien la vision de l'Égypte 2030. Il inclut un des facteurs qui sont les plus qui aident le plus à vraiment réussir à appliquer cette stratégie ou bien à acquérir au but et objectif qu'on veut acquérir en 2030, c'est l'engagement et l'autonomisation des femmes. Et l'engagement des femmes, je veux dire par cela, engagement économique, par exemple dans les travaux, et aussi social. Et ça, c'est un des plus, je veux dire, un des plus... Important? Oui, documenté, qui exige que la femme est importante afin d'acquérir tous les autres ODD ou bien tous les autres objectifs de 2030. Je veux justement aussi mettre le point sur il existe une forte corrélation entre les ODD de l'ONU, les 17 ODD, et on voit cela surtout dans l'ODD 5 sur l'égalité entre les femmes. Et comment ça se reflète sur l'ODD 8 du travail, l'ODD des partenariats, l'ODD de la pauvreté et de la aussi ODD 2. On trouve que comment la femme ou bien comment l'égalité entre l'homme et femme peuvent se refléter sur tous les autres bien ou sûr. Bien presque une majorité des autres ODD et comment ça aide à accélérer la mise en œuvre et comment implémenter et mettre en œuvre ces objectifs jusqu'à 2030. Certainement. J'espère qu'un beau jour, on va voir cette violence à l'égard des femmes ou à l'égard des enfants ou à l'égard de la différence sera complètement anéantie. L'État déploie beaucoup d'efforts, les ONG comme vous l'avez dit, mais il faut que toute la société se mobilise et la femme par excellence elle-même. On va terminer. D'abord, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Mademoiselle Dorine Habib, analyste politique, je vous remercie beaucoup. Et donc, on va terminer avec cette interview réalisée
par notre correspondant Henny Farag en marge de la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui se tient actuellement au Sénégal. Henny Farag a réalisé cette interview avec le ministre des Affaires étrangères du Congo Brazzaville, Jean-Claude Gassoko. Au revoir et à demain avec un nouveau collègue. Donc nous avons actuellement le plaisir d'avoir avec nous Monsieur le Ministre. Vous êtes toujours bienvenu sur la TV internationale. Merci beaucoup pour un tel interview. Permettez-moi de vous poser cette question qui concerne le slogan choisi cette fois-ci dans cette 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Les enjeux de la stabilité, les enjeux d'émergence économique, bien sûr, au sein de l'Afrique post-Covid-19. Donc comment vous avez vu l'importance de ce slogan? C'est un slogan qui est en plein dans l'actualité. Ouais. En plein dans l'actualité, d'abord, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Ouais. Il n'y a pas de paix, d'apaisement social. Il faut la sécurité. Et malheureusement, le continent africain donne l'exemple de ce que des tragédies. De l'absence de sécurité, notamment dans les pays du Sahel, du fait notamment de l'instabilité en Libye, de la tragédie libyenne qui dure depuis 10 ans. Voilà, donc c'est vraiment un slogan qui est en plein dans l'actualité, mais il faut que l'Afrique... L'Afrique, hier par exemple, vous avez assisté à la séance inaugurale donnée par plusieurs chefs d'État africains. Il y avait des critiques lancées de leur part à l'égard de la communauté internationale, notamment la communauté européenne en ce qui concerne la discrimination au niveau de la distribution des vaccins, mais aussi au niveau de la politique sécuritaire adoptée dans les pays sahéliens. Comment vous avez vu... Moi, je vais peut-être choquer quelques-uns. Oui. Il faut que l'Afrique arrête de pleurnicher. Il faut que l'Afrique apprenne à fabriquer elle-même ses vaccins. Oui. Autodéfense. Absolument. Oui. L'Afrique ne manque de rien. L'Afrique a les intelligences, l'Afrique a les matières premières, comme chacun sait. L'Afrique a le potentiel. Il faut qu'elle arrête de pleurnicher, qu'elle se prenne en charge, qu'elle fabrique des vaccins sur son territoire, sur son sol, pour soigner ses enfants. On ne peut pas vivre indéfiniment de la main tendue. L'une des questions, pourquoi l'Afrique n'arrive pas à défendre l'Afrique? Parce qu'en fin de compte, il y avait une conclusion, ce sont les Africains qui vont profiter aux autres frères africains. Le problème des Africains, c'est que ils sont velléités, ils ne sont toujours pas sortis de la conférence de Berlin. Ils ne sont pas sortis de l'émiettement. Parce que pour être fort, il faut se mettre à plusieurs, il faut se mettre ensemble. C'est ce que beaucoup n'ont pas encore compris. Quel est le sens de l'Union africaine si c'est l'unité des enfants d'Afrique? Pour être fort, il faut être à plusieurs. Voilà, le vrai problème, il est là. Oui. En fait, vous avez fait un grand panel, notamment en ce qui concerne la Libye. Vous étiez l'un des membres de la délégation qui était en visite en Libye. Vous avez fait des remarques? Oui, je crois que depuis 10 ans, c'est la première fois que la Libye est quasiment proche de retrouver sa vraie souveraineté, son unité. Il lui faut encore un effort, un sursaut, pour aller à cette élection qui est programmée pour le 24 décembre. Il lui faut un sursaut. Il faut que les Libyens apprennent à se pardonner. Il faut que les Libyens dépassent la rancœur, la rancune. Il faut que cette élection ait lieu, pour qu'un Libyen soit élu pour présider aux destinées du pays, pour rassembler, pour réconcilier. Parce que sans cela... la Libye, il faut craindre vraiment, on ne le souhaite pas du tout, une somalisation de la Libye. Voilà. Balkanisation plutôt. Balkanisation, somalisation, c'est en fait la même chose. C'est toujours le même processus. Voilà. Mais je crois qu'on n'en arrivera pas là parce que je suis allé en Libye, j'étais à Benghazi, j'étais à Tripoli, j'ai vu des enfants debout. C'est vrai, le chemin n'est pas pavé de roses, mais ils sont décidés à réconcilier leur pays, ils sont décidés à aller de l'avant. Je dois vous remercier infiniment.
Choukran.